un mal supérieur tout récemment et vous demander en toute humilité votre avis. On nous propose un stage, comme il est de coutume, de quelques semaines pour les étudiants. Mais j'hésite à me lancer. Voici ce dont il s'agit. C'est un stage auprès du Comité consultatif national d'éthique, dirigé par le professeur Jean-François Delfrécy. Donc, qu'est-ce que je réponds ? Non, pour la simple et bonne raison que qu'est-ce que j'irai apporter à part de la contestation? La contestation, c'est mal famé dans ce pays. Alors, à propos d'éthique, je voulais rebondir, voilà, ça me revient à l'esprit. À force de meubler, j'arrive à me rappeler mon discours. Quelque chose qui a été dit par un intervenant il y a 2 semaines. Il paraît qu'on a dit que Macron était le père de la nation. En tant qu'étudiant de lettres classiques, et ça se voit dans les inscriptions qu'on peut trouver sur les sites antiques, que sous l'Empire, tous les empereurs ont reçu le titre de père de la patrie, y compris Caligula et Néron. À propos de tyrans, je n'aurai jamais de mots assez durs pour tous les belligérants actuels qui ne se cachent même plus et qui, vous le savez, utilisent partout les ressorts de la propagande détestable. Pour les qualifier de manière adéquate, j'ai trouvé une phrase du livre de Job dans la Bible. Lorsque je l'ai lue, elle m'a paru coller étrangement bien à la situation présente. Les maisons des voleurs publics sont dans l'abondance et ils s'élèvent audacieusement contre Dieu et ils n'ont de culte que pour la force de leurs bras. Alors que faire contre ces voleurs publics ? J'ai une phrase d'un célèbre anatomiste, grand physiologiste français qui s'appelle Xavier Bichat. Il a bien rempli sa vie, étant donné qu'il a donné son nom à un hôpital. Il est mort à 30 ans, ce qui montre qu'il a bien rempli sa vie. La longueur, n'est-ce pas la phrase de La Fontaine, « Le plus semblable au mort meurt le plus à regret », c'est dans la mort et le mourant. Et là nous avons ce jeune homme qui, en 1800, a publié des réflexions physiologiques sur la vie et la mort, et dès le début, il donnait cette définition de la vie, qu'on peut lire de manière allégorique, vous allez voir. La vie est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort. Cette phrase a fait couler beaucoup d'encre parmi les philosophes et les physiologistes qui l'ont suivie, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'elle peut nous servir, elle peut même nous représenter. Car, avouez-le, jamais, du moins dans notre vie, la France n'a été aussi menacée de mort que maintenant. Encéphalogramme plat en matière de liberté, de dignité, de cohésion et de vérité. Or, ce sont nous, les forces qui, justement, essayent de résister contre toutes ces forces de mort, toutes ces pulsions de mort que sont le mépris du peuple, la tyrannie pseudo-sanitaire, la concussion, l'oligarchie. Ainsi donc, notre mouvement est non seulement le mouvement de la liberté, qui veut si bien dire cette essence même de la France que j'ai eu l'occasion de dire ici, non seulement donc le mouvement de la liberté, mais aussi le mouvement de la vie. Alors vive le peuple libre, vive le peuple vivant, vive le peuple de France. Un artiste que vous connaissez, qui est là chaque semaine avec nous, qui va nous réinterpréter la chanson qu'il a composée pour nos manifestations.